Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte ce soir avec le jeu Tales of Kenzera, nommé Zo également. C'est un jeu qui est sorti il y a déjà quelques mois, le 1er février 2024 plus précisément, qui est développé par Sergeant Studio et qui est nommé aux Game Awards 2024. On va donc le découvrir ensemble et lancer une nouvelle aventure. On verra pour la caméra si elle gêne là où elle est. Et let's go! Vous souhaitez profiter de l'expérience classique? Vous recherchez des combats musclés et des défis immenses. Vous êtes en quête de défis insurmontables. On va mettre exigeante. Ceci est une œuvre fictive. Les noms de personnages commentent. Ouais, ok, d'accord. Ce jeu sauvegarde automatiquement les données. Ne fermez pas le jeu tant que l'icône de sauvegarde est visible. À la mémoire des personnes qui ont changé nos vies. Ce jeu rend hommage à leur ténacité. La fin de toute histoire marque le début d'une autre. Allez à l'intérieur. Ok, on a un déplacement. Ok. I'm back. J'ai pas regardé les réels parce que ça m'intéressait pas. Au lieu de râler, j'ai préféré ne pas parler. Ah oui, mon Johan, bah, je comprends, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors je te rassure, hein, c'est pas du tout un gros contenu sur cette chaîne. C'est juste qu'un soir, on est parti là-dessus. Et donc là, pour la troisième fois, on se faisait une petite session. Et c'est vrai qu'il y avait quelques petites pépites dans le tas quand même. Ok, alors. C'est très beau graphiquement. L'animation par contre est assez rigide quant à elle, mais on va voir si c'est simplement sur une phase comme ça de déplacement que ça se ressent de cette manière. I can't. Je ne peux pas. Allez à l'intérieur. Zuberi! C'est très immersif en tout cas. Très original aussi. Il y a une ambiance africaine, etc. qui a l'air très très cool. Et graphiquement, c'est stylé. Je me fais des cordons bleus, j'ai faim, bah bordel. Et t'as Mama. Raison, bon appétit. Mama. Il me manque, Ma, il me manque tellement. Je sais, il me manque aussi. Tu pourrais peut-être aller le voir. Lui rendre hommage. Non, je ne peux pas, je ne me sens pas prêt. Zuberi. Mama, je ne peux pas. Je me ressens dans le mec qui se fait engueuler par sa femme parce qu'il mange trop, bah tu vois. Ton baba, il voulait que tu aies ceci après sa mort. Quand Baba a appris qu'il était malade, son visage reflétait l'anxiété, la peur et la colère, un peu de confusion même. Mais il a ressenti cette soudaine envie d'écrire et il a commencé ce livre. Je crois qu'il voulait s'assurer d'avoir une histoire palpitante à raconter à son fils. Ça parle de quoi? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être à toi de le découvrir. Take your time, Zuberi. Sauf que moi, c'est ma mère qui râle. Je veux bien, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'elle veut bien, celle-là? Yoemisha, eux. Ah, j'en veux bien. Mais oui, des cordons bleus. Ok, je l'ai. My story began. Mon histoire a commencé lorsque le monde que je connaissais s'est éteint.
J'ai faim. Moi j'ai toujours faim aussi, bordel, c'est grave. Très très lourd langage. Très stylé. The shaman's path is one of healing. One of guiding. Ça c'est beau, hein. How does a shaman perform his duties when he is the one in need of healing? J'aime beaucoup l'environnement africain avec cette touche violette, néon, futuriste. Baba. Help me, Baba. I need you, Baba. Moi aussi j'ai faim. Partage. God of death, hear my plea. Kalunga, ah, c'est très très stylé, très original, hein. On manque énormément de... Oh là là. On manque énormément de contenu avec ces environnements-là et ces lores, cette ambiance. Et Varkar qui devient l'éveillatan noueux de 47 levels. Oh, il vous survole tellement, mes jeunes arbres. Il veille sur vous, il vous protège. Du haut des cieux étoilés. Kalunga, God of Death. Guardian of the veil between the realm of the living and the dead. My name is Zao, shaman of Amandla. Il est premier en même temps, il est tout le temps là, v'là le protecteur. Ben oui, ben voilà, c'est le Krakito, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Kalunga, dieu de la mort, gardien de la frontière entre le royaume des vivants et celui des morts, je suis Zao, shaman d'Amandla. And why Zao, shaman of Amandla? Et pourquoi Zao, shaman d'Amandla, m'as-tu invoqué dans le royaume des vivants? On raconte que trois grands esprits t'ont échappé. Et si un chaman peut traverser ta frontière et guider ses esprits dans le sillage de la mort, il rendra service à la mort et la fortune l'attendra à bon port. Je connais l'histoire. Dis-moi, Kijana, quelle fortune recherches-tu? Mon Baba. Il a été frappé par la maladie. Tu as emporté son âme et je suis ici pour le récupérer. Je veux mon Baba en échange de ses esprits. Mais s'il échoue, de Kalunga connaîtra le courroux. Je sais ce que je risque. Le sais-tu vraiment? Tout ce que je vois, c'est la demande désespérée d'un garçon tout aussi désespéré. Je suis un chaman, je suis le fils de mon père et je brandis ses masques. Je suis ses méthodes. Je peux le faire, Kalunga, je sais que j'en suis capable. Les mots représentent bien un peu face aux actes. Mais tu as du courage, on ne peut le nier. Allons vers l'Est. Peut-être me prouveras-tu que tu es digne de cette mission. Je te montrerai que je suis digne de ta confiance et je te montrerai la grâce de la lune. Et bonsoir, oh la demi-molle! Salut la demi-molle, alors attendez. Je sens que ma tête va faire chier ici. Quoique. Ouais, en fait, pas tant, hein. Pas tant. Hein. Ce que je peux faire, c'est diminuer un chouï ici le cadre. Ok. Let's go. Comment ça va, ma demi-molle? Appuyez sur truc pour parler à machin. Mais en fait, le jeu, il est en mode souris. C'est ça qui est drôle. Ben, on va jouer souris, mais ça me paraît chelou. Tu regardes ces statues avec douleur, N'Gala. Pourquoi souffres-tu? Quand j'étais petit, mon Baba m'a amené ici, à Patakatifu. Oui. Bien, et toi, c'est quoi le jeu? Ah oui, pardon, alors déjà, je vais changer la catégorie. C'est Tales of Kenzera. Hop là! Nous admirions ces statues, apeurées, impressionnées. Bama me racontait les contes, les incroyables contes, les contes merveilleux des grands esprits de cette terre. Chaque fois que nous traversions ce croisement, je les regardais, et je me demandais si j'aurais un jour la chance d'être honoré de leur présence. À présent, tu les regardes et elles te rappellent la réalité, dans laquelle tu vis et des défis qui t'attendent. La tâche terrifiante d'affronter les grands esprits. Elle me rappelle mon Baba. Nouvelle entrée au codex. Ok, très stylé. C'est très dézoomé. Obtenir l'aide de Kalunga.
Ok. Ça, c'est beau, hein. C'est très beau. Les petits effets là avec la cascade, on se voit. Ce qui est dommage, c'est qu'on se voit détouré et non pas en vraie transparence. Maintenez espace pour sauter plus haut. Jusqu'ici, on est assez sur du, on est sur du classique. On peut rappuyer pour faire un double saut. Sauf que là, c'est pas ça que je veux. Ah oui, d'accord. Il me le dit pour. Ok. Un peu bizarre ça par contre. Ah oui d'accord, ok, faut que j'aille chercher genre loin. Putain, mais le jeu me pousse à jouer. Enfin en fait il me pousse pas à jouer comme ça. Tu vois. Ouais, je vais le rejouer manette quand même parce que bon, faut pas déconner. Hein. Ça c'est le dash en fait. Est-ce qu'on peut dash en l'air? Ah oui complètement. Ok, nice. On passe à travers les textures. Ok, appuyez sur B pour traverser les cascades. Enfin, on se dématérialise en quelque sorte. Je vais réaugmenter un peu la musique du coup. Ok, premier combat. Des esprits malveillants et destructeurs errent sur les terres de Kenzera. Utilisez le pouvoir des masques pour les vaincre. Le masque de la lune excelle aussi bien dans des attaques longue portée que dans les techniques de contrôle des foules. Appuyez sur X pour effectuer une attaque légère. Attaque lourde. Ah oui, d'accord. Le X est distance et l'attaque lourde elle est cac. Ok, ça se passe bien. Hein. Oh, c'est agréable hein, ce qui se passe. Ah oui, on a une régène mana. Ok, on peut carrément diriger avec notre joystick. Oh merde, c'est dur ça. C'est pas facile. Pourquoi il repop viser? Ah oui d'accord, il veut que je vise. Vous savez, moi ça c'est moi, hein, je lis jamais les consignes. Ok. Allez meurs. Frappez les ennemis avec des attaques lourdes. Ne. Est-ce que je suis mort dans le tuto? Oui. Tranquille, j'ai rien compris. Ok, c'est bon. Merde, il est pas mort lui. Bon, on a mis en difficile aussi en même temps. On est un peu golemon. Tranquille, tranquille, c'est normal. Ok. Vaincre les ennemis restants. Allez, let's go. Le masque que tu portes est puissant. Je l'utilise pour canaliser mon pouvoir. C'est le masque de la lune. Baba m'a tout enseigné. L'énergie se manie avec grâce. C'est une harmonie empreinte de vertu. Et salut de Mimol Shabi d'Ivarkarg. Merci de vous saluer entre vous. Bravo. Tes aptitudes m'intriguent. Mais elles ne te rendent pas immortel, Kijana. Tu es blessé, tu dois te soigner. Je vais bien. Une gazelle qui boite aura du mal à distancer le lion. Tu as raison, très bien, je vais me soigner. Infliger des dégâts aux ennemis rapporte de l'esprit à Zo. Appuyez sur flèche du haut pour vous soigner. Le soin consomme de l'esprit. En explorant le monde, Zo peut aussi trouver des orbes de soins pour restaurer sa santé. Ok, donc là j'avais un soin. Ma vie c'est quoi? C'est en jaune? Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Maïmisha. Tu vas dormir? Ou tu vas graille? Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est extrêmement original, vraiment la DA là, c'est très très bien foutu. Hein. C'est une petite pépite. Hein. No matter. There must be a key nearby. Merci beaucoup en tout cas, Maïmicha, d'être passé. Ma fille de 14 ans est en deuil, je m'occupe d'elle. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Excuse-moi, eh bien tu as bien raison, Maïmicha. Le portail est verrouillé. Trouvez la clé. Ah, je veux bien, mais. Ok. Faut passer par là. Oh là là, la petite musique, la petite ambiance, tout est excellent là. Hein. Allez, bisous, ça marche, merci beaucoup. Bon courage à toi, bon courage à ta fille, Misha, merci d'être passé. Et à très vite, j'espère que ça va bien se passer. Attends, j'ai un nouveau masque là ? Frappez les ennemis avec des attaques légères. Avec des attaques lourdes. Ok, donc là, il nous présente les différents masques. Un masque puissant qui s'accompagne sans aucun doute d'une histoire mémorable. Le masque du soleil. Baba m'a enseigné que le manier revient à canaliser l'amour la plus intense qui existe. Les flammes fugueuses de nobles existants et de nobles intentions. Ton baba t'a beaucoup appris. Je ne suis pas simplement un garçon. Seul le temps nous le dira. Ok. Appuyez sur LB pour changer les masques du soleil et de la lune. C'est la danse du chaman. Utilisez les styles de combat uniques des masques pour vous adapter à chaque situation. D'accord. Oui, donc lui, là, il est vraiment porté sur le cac. Ah oui, en fait. Là, si je le fais voler... Ah oui, putain, on peut faire des combos de ce goût-là. Ah ouais, ça, c'est très très fort. Là, je peux l'envoyer en l'air, changer de masque, lui tirer dessus. Oh là là, regardez ça, le gameplay de con. Oh, je suis trop fort. Incroyable ce qui vient de se passer, là. Comment on fait, là? Ah oui. Oups. Il est où? Il est mort? Cette essence spirituelle qui réside en chaque personne et en chaque chose, par le biais de ton écho chamanique, elle peut accentuer ton propre pouvoir. Quand le moment sera venu, utilise cette énergie, plie-la à ta volonté. Grâce à l'Ulogi, Zo, tu peux devenir plus puissant que tu ne l'as jamais été. L'Ulogi est une énergie vitale obtenue en vainquant des ennemis ou en brisant des cristaux d'Ulogi. Obtenez de l'Ulogi pour remporter des points de chaman. Ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer les compétences de Zo. Ok, trouver la clé. Ça, on peut l'attraper, j'imagine. Merci. C'est pas un mur qui se casse, ça. Non. Ah, par contre, c'est du two-shot, hein. Heureusement, on avait une save ici. Mais y a plus les mobs. Ils sont là. Ah oui, c'est ça. Ils ont aussi des doubles sauts qui sont différents. Là, par exemple, c'est celui-ci qui me permet de beaucoup plus facilement... partir sur les hauteurs. Appuyez sur A quand vous êtes sur un mur pour effectuer un saut du mur. Bah bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on avait la ref. Oh, il est très jouissif. Hein. Il se joue vraiment très bien. Et une fois pris en main avec les combos de masques, j'espère qu'il y aura peut-être plus que deux masques. Hein. J'imagine que c'est les synergies de masques qui peuvent faire aussi des dingueries. Ah oui, on peut attaquer quand on est au-dessus. Oh, c'est banger. C'est excellent, hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est frais comme... C'est extrêmement frais. Merde.
Oh, le switch de masque, c'est giga kiffant. Oh là 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 là, c'est très très cool, hein, franchement. Je sais pas si ça vous plaît ce que vous voyez pour l'instant, mais c'est très très kiffant. Tu te déplaces avec fureur, Shaman, avec fureur et grâce. Le masque du soleil et celui de la lune, Baba. Baba disait, le soleil et la lune ne s'opposent pas, ils nourrissent le même dessein. Ne favorise jamais aucun des deux. Il crée un équilibre Kamawai Nakifo. Ça semble bien dynamique, oui. Ouais, c'est très dynamique et c'est frais. Une bonne petite ambiance comme on aime. Qu'est-ce que j'ai ramassé là ? Je en pose. Ah oui, d'accord, on a direct notre petite map là. Donc on rappelle, hein, c'est un Metroidvania. Donc on va avoir besoin d'adopter des nouvelles compétences pour pouvoir revenir sur nos pas. La DA Afrique, ça change aussi. Mais c'est ça, c'est kiffant. Et comme dit, le petit mix DA africaine avec. Avec cet univers néon là, je kiffe. Oh oui, d'accord. Ah oui, donc on en voit un peu plus, les amis. Alors regardez un peu ces menus. Nous avons bien les deux arbres lune soleil, mais ce qu'il y a, c'est qu'en effet, il y a l'air d'y avoir des branches à prendre. Recharge parfaite. Appuyez sur machin au bon moment d'un rechargement pour remplir instantanément les charges légères. Fais passer le nombre maximal de charges légères à 12. Appuyez sur Y au bon moment pour dévier les projectiles. Maintenez X pour accumuler une grande puissance, puis relâchez pour déclencher une rafale de charge légère. Augmente l'étendue et les dégâts de souffle lunaire. Maintenez RT à proximité des projectiles dont la santé est faible pour les mettre dans un état de stase. Relâchez RT pour les lancer dans n'importe quelle direction. Ouais, c'est pas si ouf, mais enfin, ça peut être marrant, ça peut être fun. Lorsque vous effectuez une rafale légère, relâchez X au bon moment pour augmenter les dégâts. D'accord ? Augmentez l'étendue et les dégâts de souffle lunaire. Souffle lunaire, c'est la frappe lourde. Et donc, côté soleil, lors d'un combo d'attaque légère, appuyez sur X au bon moment et vous augmenterez vos dégâts lors de la prochaine frappe. Très stylé. Ajoutez un coup supplémentaire au combo d'attaque légère. Lorsque vous êtes dans les airs, maintenez L vers le bas et Y pour frapper le sol avec force. Vous causerez des dégâts aux ennemis et que vous repousserez également. Augmente le rayon et la dégâts de supernova. Supernova, c'est le coup lourd. Les ennemis prêts au milieu de séisme solaire prendront feu. D'accord. Lors du coup final du combo d'attaque légère, l'ennemi prendra feu. À moins que supernova, ça soit nécessite supernova. Ok. La lance d'Akida, machin. Les bibelots. Ok, donc là, de la même manière, on va pouvoir avoir des bibelots qu'on va pouvoir équiper. Encore une fois, ça fait penser à tous les jeux du genre, mais on peut penser souvent à Hades pour des jeux plus récents avec des grands nombres d'artefacts ou de bibelots qui souvent donnent des bonus, mais aussi des malus, à voir si ça se confirme. Ok, donc là, on retrouve dans le codex tous les différents personnages qu'on a croisés jusqu'à maintenant. On a également un bestiaire des créatures. Intéressant, avec du lore à chaque fois. Très très bien, très très cool. Ah merde, je me trompe de touche. On a des lieux. D'accord. Donc on a vu la ville d'Amani. On a vu l'Amandla. Donc quand on était un peu comme ça dans la savane avec les baobabs. Le Patakatifu, c'est là où on était un peu dans la zone chelou à parler au chaman spectre. Et maintenant nous sommes dans les montagnes Ikaka Rabinwayen. Voilà. Premier acte, trouver la clé. Deuxième acte, troisième acte, quatrième acte. Donc on a aussi de l'information sur le nombre d'actes que présente le jeu. Très très bien. Donc là, je vais avoir besoin de pousser ça. Un idole de griot qui flotte. Tu la ressens aussi, cette énergie ? Je ne ressens pas d'appréhension ni de peur, seulement de l'inspiration. C'est apaisant. J'aimerais me rapprocher, mais je ne suis pas sûr. Approche-toi, Zo. Réveille son énergie. Le
Le garçon se tenait face à un être qui lui était familier et pourtant étranger. Oui ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux toujours pas mettre... J'ai toujours pas de point de chaman ? Non ? Ok. J'ai pas l'impression d'avoir skip la scène. Comment je vais faire ? Je vais pouvoir le tirer et il va se... Ah ! Finally. Ah oui, non, le bloc, il a juste servi à casser le plafond. Ok, on a la clé. Oh, j'ai un petit faible pour le masque du soleil. Hein. Ah oui. Ok, on part en transparence. Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'argent ? X1. Qu'est-ce qu'on a eu en x1 ? I don't know. Oh, la musique est bonne, hein. Quand la musique est bonne. Appuyez sur L et R pour effectuer une attaque spirituelle. Ces attaques puissantes coûtent 2 segments d'esprit. L'attaque spirituelle du masque de la lune et le souffle lunaire. Ils sont là les ultis. Un rayon énergétique dévastateur qui anéantit les ennemis sur son passage. Utilisez L pour contrôler la direction du rayon. L'attaque spirituelle du masque de soleil est la supernova qui transforme Zo en un tourbillon de flammes chamaniques. De vie et on a le boss là. Quoi? Oh non, mais il s'est heal, il s'est heal de ouf. Voilà. J'ai pas la bonne range. Ok, j'ai compris. En fait, j'ai compris. J'arrive pas à le... J'arrive pas à le... À le taper suffisamment. En fait, il faut peut-être plutôt que... Putain, il est chiant. Et là, faut que je le finisse, quoi. Avant qu'il retrouve son armure. Ok. Ouais, c'était chaud du cul, hein. OMG. Petite sauvegarde et on a bientôt un premier point. Allez, on peut ouvrir la porte. J'en ai assez vu. Je voyagerai avec toi, chaman. Ce chemin mène à Ikakaramba, terre du grand esprit du ciel. Ce sera notre première étape. Plutôt je t'apporterai les grands esprits, plutôt tu me rendras mon baba, n'est-ce pas ? La tâche ne sera pas aisée, chaman. Nombreux avant toi ont essayé et échoué. Je n'échouerai pas. Viens, nous avancerons par là. Qu'est-ce qu'il dit ? Attends. Nous n'avancerons pas à grand-chose en restant ici. Rendons-nous à Ikakaramba. Trouvons le grand esprit. Attendez une seconde. Je regarde un truc. Ok. Nouveau point de chaman obtenu. Quoi ? Ça y est, on a un point de chaman ? Oh oui. Appuyez
appuyez sur X au bon moment et vous augmenterez vos dégâts lors de la prochaine frappe. Alors, moi, j'aime bien le soleil, sauf que là, c'était quoi ? Pour re-remplir instantanément les charges légères, ce qui peut permettre quand même de mitrailler comme un âne à distance. Hein. Mais je vais quand même écouter mon instinct. Alors, c'est quoi au bon moment ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ok, je sais pas ce qu'il m'indique vraiment. J'entends un petit son, j'ai pas prêté attention avant. Si ça faisait déjà ça. Les grandes falaises, les cavernes de Bulbu. Cette fille a une jolie voix. Attends un peu, laisse-la finir sa mélodie. I cannot wait. Hey, move please. Huh? I said move. Ah. Oh wow. Ok, on peut ralentir ou accélérer. Ah. Pas compris. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'aille là ? Non, pas sûr, hein. Ok. Culé. Ah, d'accord, faut que je fume les mobs avant. Ok, I got it. Mais quoi ? Ah putain, on se fait pousser dans les cristaux. Ah ouais, c'est dur. Ok, allez. Lui, je l'engage comme ça. Là, je le défonce. Ah oui, putain, il y a des cristaux au plafond aussi. Oh, c'est dur. Lui, c'est ciao. Putain, il faut que je dash en fait au bon moment pour... Par contre là, le coup en hauteur pour le faire péter dans les cristaux, c'était beau ça. Encore un obstacle, encore un problème. Les portails, les esprits, la fille et maintenant ce stupide pont. Je m'attendais pas à cela. Un chaman vaincu par un pont. Il m'a pas vaincu. Tinzo, il est énervé. Si, tu as été imprudent. Depuis le début, tu insistes tellement pour récupérer ce qui te semble t'appartenir que tu te méprises. Tu méprises les autres ainsi que le voyage lui-même. C'est faux. J'ai fait ça pour mon baba. Tu agis imprudemment, sans réfléchir. Tu as effrayé une petite fille, mis sa vie en danger ainsi que la tienne. Tu fais ça pour ton baba. Tu souhaites suivre cette voie, fais-le avec respect. Cette fille près du pont, elle faisait appel à quelqu'un dans le ciel. Elle connaît peut-être le grand esprit que nous recherchons. Peut-être. Mais avant tout, tu dois trouver un moyen d'atteindre la surface. On est un petit peu jeune et un petit peu imprudent, hein, un petit peu impatient aussi. C'est normal. Hein. Nous voici en zone ouverte. Je connais ce symbole, la grandeur. Les ignares la recherchent, mais ce sont les héros qu'elles trouvent. Qu'est-ce que ce symbole fait ici ? Un jour, j'ai vu mon baba peindre le même symbole. Ce doit être une méthode de chaman, une sorte de défi. Tous les défis ne nécessitent pas d'être relevés. Continuons notre aventure, nous avons encore beaucoup à faire. Tu comprends pas, un pouvoir s'y cache, je le sens. Un pouvoir que nous seuls pouvons utiliser. Jeune et fougueux, mais bien sûr... Je n'ai qu'à relever ce défi et je prouverai ma valeur en tant que chaman.
La décision, comme toujours, t'appartient. Si tu t'en sens capable, alors tu devrais le faire, mais sois prudent. Ok. Ok. On va obtenir un nouveau pouvoir et pour ça on doit réussir le parcours du Schnapps. Jusqu'ici tout va bien. Ah les salauds, on va pas recommencer au début. Bien sûr que si. Ah les salauds. Ah, il savait comment me ruiner. Ah, oh, c'est dur. Il faut sauter vraiment pixel. Hein. Il faut sauter vraiment pixel. Oh, mais c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Let's go, la musique est bonne encore, hein. Nouveau bibelot trouvé, posture de combat. Les dégâts causés en propulsant les ennemis les uns contre les autres ou contre l'environnement sont augmentés. Trop bien, vous pouvez seulement équiper des bibelots dans un établi. Ah, bah donnez-moi un établi. Un bibelot de chaman. Tu vois comme c'est délicat, c'est aussi très puissant. Tu as de la chance, Zo. Placé entre de mauvaises mains, ce pouvoir serait catastrophique. Aujourd'hui, il a trouvé un hôte prometteur. Arrête d'avoir le seum, Kalunga. T'es un chaman de Kenzera, utilise ce pouvoir comme les autres l'auraient voulu, pour le bien commun, pour la grandeur. Ouais, c'est ça, la grandeur. Trouvez-moi surtout un établi. Allez, maintenant, on va aller en bas. Là où le jeu nous mène. Les échos, c'est des bribes de souvenirs en fait, et qui nous donnent un quart de point de chaman, si je comprends bien. Putain, mais j'ai voulu dash pour éviter son truc. Mais... Où je me préoccupe des distances à chaque fois en priorité. Hein. Ah, l'établi, merci. Ah, mais on avait déjà un autre truc. Maintenir les ennemis en l'air lors des combats et augmente la quantité d'esprit gagné. D'accord. Les dégâts causés en propulsant les ennemis les uns contre les autres contre l'environnement sont augmentés. Allez, on équipe celui-là. Ah, ceci dit, pour les conserver en l'air, c'est pas si compliqué. Mais, il me bloque. Salaud!
pas si compliqué de les garder en l'air, hein. Corrupted by their lingering circumstance. They have abandoned their jesting nature for spite. Do not underestimate. Tu peux aller là-haut? Non. À moins que. Si je joue un peu avec la map. Logiquement non, hein. Le jeu voudrait que. Merde. Faut que je fasse mon dash. Et le jeu voudrait tout simplement que j'ai un nouveau pouvoir. Une nouvelle aptitude tout du moins. Mais on retourne où là? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Des Yumbos, n'aie crainte, ce sont des créatures inoffensives et bienfaisantes. Elles prennent soin des gens, les accueillent et les revitalisent. Elles veulent simplement aider. Prends un moment, un voyageur doit savoir s'arrêter pour constater la situation a changé. Ah, on peut faire des voyages rapides. Les cavernes de Bulu. Très bien. Ouh, je l'avais pas vu venir celui-là. That statue. It looks just like the sun and moon masks. J'ai un ulti, faudrait que je pense à m'en servir, hein, si j'ai l'occasion. Pierre de Bamba. Si vous portez le masque de la lune, maintenez E et utilisez machin pour viser. Appuyez sur machin pour lancer la pierre de Bamba et geler vos ennemis. Alors attends. Ouais, maintenez LT et utilisez L pour viser. Appuyez sur RT pour lancer la pierre de Bamba et geler vos ennemis. Ou les eaux en mouvement. Mais trop bien, je me sens différent. Le conte nous raconte sa légende. Il y a fort longtemps, les villages entourant Ikakaramba souffrirent de terribles inondations. Ce fut Bamba, un jeune chaman, qui apaisa la fureur de l'eau. Bamba prit une petite pierre, l'imprégna du pouvoir de la lune et la jeta du haut des montagnes, alors que les eaux étaient déchaînées. Son lancer fut si puissant et si rapide qu'il solidifia les eaux. Il permit ainsi à la population de s'enfuir en toute sécurité et de se mettre à l'abri du danger. À présent, ce sanctuaire du chaman va te transmettre le pouvoir de ton prédécesseur, la pierre de Bamba. Le bâtard, il est mort de rire, non. Oh, c'est trop. What is funny? Sorry, Bamba Stone? Is that really the name? Le bâtard. Il s'agit du récit de tes ancêtres. Il a fait tout ce qu'il pouvait et les gens d'ici lui ont rendu hommage pour ses sacrifices. Pour avoir jeté une pierre, on lui a construit un sanctuaire pour ça. Ses expériences sont incorporées dans les masques que tu portes. Utilise ses enseignements à bon escient. Bakalumbo, il en a marre. Hein. Utilisez la pierre de Bamba sur l'eau en mouvement pour la geler temporairement et permettre à Zo de courir ou de sauter dessus. La pierre de Bamba peut aussi être utilisée en combat pour geler temporairement les ennemis. D'accord. Sortir des grottes. Oh là là, oui. Il s'est passé quoi? C'est qu'ils explosent à leur mort. Vas-y, descends.
J'aurais voulu repasser sur l'établi pour changer ma pierre et prendre celle qui fait plus de dégâts qu'en gardant l'air. Ah, les scènes sont stylées, hein. Les tableaux sont très cool, hein. Vraiment beau, j'aime beaucoup. C'est de la vie, ça ? Attends, mais je suis revenu là ? Faut que je revienne sur mes pas pour pouvoir geler la flotte qui m'a coincé ici, en fait. Ah, oh, c'est très lourd quand même, hein. Par contre, ça met des dégâts, là, les petits trucs en bas, là. Très, très stylé, ça. Hein. Qu'est-ce que je fais là, là ? Est-ce que je peux vraiment remonter ? Oui. Je peux. Là, on peut toujours pas ouvrir. Quoi ? Putain, mais c'est leur explosion à la mort, là. C'est chier, ça. Allez hop, l'établi. Je vais prendre celui-ci à la place. Focus on the now, Zao. I am focusing. I know what to do. Return to this office and seek out this Ikakarambangar. Attends. Quoi ? Ça sert à rien d'aller par là ? Mais je comprends pas. Il est où ce chemin ? Ici. Oui, d'accord. Et là, on va retourner sur nos pas. Là, on s'est fait toute la phase toboggan. On va pouvoir geler pour remonter le flux. Ah, c'est là qu'il fallait passer là-haut. Parce que là, ça va se décongeler, non ? Non ! Non !
Delay. Please do not fall this time. Ne tombe pas cette fois. Allez, let's go, point de TP. C'est bon ça. Allez, on va peut-être retrouver la petite fille. Merci d'avoir joué à l'essai de Tales of Kenzara. Oh là là, mais non, j'y crois pas. Ok. Pour continuer votre périple, veuillez acheter le jeu complet et le relancer. Et bien voilà les amis. Ça sonne donc la fin de cette découverte sur Tales of Kenzara. Zo, Zo étant le nom de notre cher chaman, notre jeune fougueux chaman, fulgurant avec ses enchaînements. Et franchement, excellent. Déjà, c'est extrêmement rafraîchissant, original. Ça fait toujours du bien d'arriver sur une DA africaine, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure. Le petit travail des musiques est très très cool, le gameplay est pépite. On a vu qu'il y avait les mécaniques avec les deux arbres de compétences et qu'on pouvait évidemment switcher de l'un à l'autre pour créer même des synergies entre le masque de la lune et le masque du soleil. Voilà, donc de toute façon le jeu sur Steam est déjà sorti, hein, je le répète, je le découvre parce qu'il a été sorti et nominé pour les Game Awards 2024. Donc j'ai voulu tester via la démo qui est disponible. Si vous voulez en faire autant, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir suivi cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci, c'était Citaley.